بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته La paix soit sur vous. Nous atteignons le 27e jour, le 27e jour du mois du Ramadan. Et dans cette section, nous trouvons un chapitre, une sourate que le prophète salam aimait beaucoup. Il l'appelait la fiancée, Aroussat al-Qur'an, parce qu'elle est très très belle, parce qu'elle a ce refrain qui vient, et c'est Sourate al-Rahman, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et ce qui est important dans cette... beaucoup de choses sont importantes dans ce chapitre-là, mais il y a un verset qui est important et qui va établir le sens que nous avons de la vie en général. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Et la terre, il l'a élevée, il a établi la balance. Ne soyez pas excessifs dans la balance et tenez cette balance avec équité et n'en perdez jamais le sens. Cette dimension ici de cette balance, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, c'est-à-dire établissez la balance avec équité et ne perdez pas cet équilibre-là, est particulièrement important parce que c'est toute l'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie, c'est la balance, c'est l'équilibre. C'est savoir qu'il y a la vie de l'au-delà, mais il y a la vie d'ici-bas. Savoir qu'il y a la nuit et le jour. Savoir que tous les éléments sont de couple dans la vie. Nous avons établi toute cette vie dans le couple et tout est une question de balance. Savoir également entre s'occuper de soi et s'occuper d'autrui. Être dans la société, dans la multiplicité, dans la collectivité, mais savoir aussi être seul. Notre vie spirituelle est une question de balance. C'est plus facile d'être excessif que d'être modéré. C'est plus facile d'être dans le fanatisme que d'être dans la compréhension profonde, dans la sagesse. La sagesse, c'est une question de pondération, de tempérance, pour utiliser la formule des Grecs et des philosophes grecs que nous retrouvons dans la tradition musulmane. Et donc, de ce point de vue, même dans le fait de notre pratique, il faut toujours trouver l'équilibre. Pratiquer, mais pas pratiquer dans l'excès. Vivre, mais pas vivre dans l'excès. Toujours dans le sens de cette justesse qui rend justice à notre corps, qui rend justice à notre être. Eh bien, voilà ce que nous enseigne l'islam et qui nous dit « Vous devez trouver le mizan, vous devez trouver cet équilibre-là. Vous êtes dans un djihad de l'équilibre, c'est-à-dire dans un effort de résistance à vos excès et de réforme dans l'équilibre, dans cette façon d'être respectueux de l'esprit, respectueux du corps, respectueux de tous les éléments qui constituent notre vie. Cet équilibre, il est difficile, il n'est jamais acquis, il est toujours, toujours à recommencer. C'est l'épreuve de la vie. L'équilibre est sans doute l'épreuve de la vie, c'est le sens d'être avec Dieu. Dieu nous appelle à l'équilibre et il nous dit toujours « ne négligez rien et ne soyez excessif en rien ». Que Dieu nous aide. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.